J'habitais à Paris, j'étais un coiffeur renommé. J'avais un beau salon, très luxueux. Mais je faisais rien. Au niveau Torah, rien. Rien du tout. Je menais une vie, je te dis pas, dans la coiffure, complètement dissolue. Et le temps passait, je gagnais beaucoup d'argent. J'étais à l'aise. Et voilà qu'un soir, un jeudi soir, arrive un rabbin, mal habillé, habillé pauvrement, et il avait déjà un certain âge. Et je vous dis la vérité, il m'a déchiré le cœur. Quand je l'ai vu, il m'a déchiré le cœur, il faisait vraiment pitié. Et il m'a demandé de l'argent pour l'aumône. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ou bien tes oreilles. J'ai pris le tiroir caisse, j'ai vidé dans ses mains, je dis, non seulement ça pour Shabbat, mais ça va être au moins pour je ne sais pas combien de Shabbat. Voilà, c'est pour toi, tu gardes tout. Et je lui ai tout donné. Toute sa journée, là, et il y avait de l'argent. Bon. Quelques jours sont passés, et voilà, écoutez bien ça, il y a une dame très classe qui se faisait coiffer chez lui, une non-juive. Et elle commence à lui tourner autour du coiffeur. Tu sais, je t'aime, je voudrais bien qu'on se marie. Et lui qui faisait rien du tout dans la Torah, lui a dit, écoute, tu montes au ciel et tu descends, jamais de la vie je me marierai avec une non-juive. Jamais de la vie. Elle lui dit, tu fais rien, tu manges du cochon, tu fais pas Shabbat, tu manges à Kippour. Et elle connaissait tout. Et c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas belle? En plus, elle était très riche. Très belle, très riche, très intelligente. Tout. Il lui dit, tu montes et tu descends. Il lui dit, tu montes et tu descends. Je me marie pas avec toi. Voilà. Jamais. Même dans le rêve, même dans un rêve, ça arrivera pas que je me marie avec toi. Alors, tu dégages, tu fais ce que tu veux, mais tu m'embêtes plus. Et vraiment, dur. Marocain. Marocain, vous voyez, il y a quand même des bases. Parce que même si... C'est l'apparence. Même si ils ont délaissé quand même pas mal de choses, mais il y a du judaïsme. Il y a une base. Il y a une base. Il y a une base. Et le petit vieux, alors? Quel vieux? Ah, qui est... Ah bah lui, ça y est, il est parti avec l'argent, lui. Le rêve, il est parti avec son argent, ouais, il était content. Ah, moi, j'ai cru qu'Hachim allait lui donner un sale truc. Et tout. Un quoi là, c'est là. Il allait, genre, accomplir un truc, genre. Non, attends, c'est justement ça l'histoire. Rappelle-toi que Zoréat Tzedakot Matmiar Yeshuot. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand, en réalité, c'est tout le nian de Efer et Afar. Que lorsqu'on considère les choses comme passées, sans aucune possibilité de redevenir, de vie, alors ça s'appelle l'impureté. Et on va voir après, dans le texte, une définition encore beaucoup plus raffinée de ce que c'est que l'impureté. Alors regardez bien. Voilà que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah, tu ne veux pas te marier avec moi parce que je ne suis pas juive? Il n'y a pas de problème. Demain, je vais au consistoire et tu vas voir que je vais me convertir et comme il faut. Et si je me convertis, est-ce que tu te maries avec moi? Dis, tu te convertis. Je me marie avec toi, mais je te préviens, le jour où on se marie, tu ne me demandes jamais quoi que ce soit sur la religion. Ouais, un petit peu la contradiction. Ok, alors, est-ce qu'elle a fait une sadéquette? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la préparation à la conversion, mais à 100%, vraiment 100%. Ça lui a pris ce que ça lui a pris. Elle a été convertie comme il faut. Et elle a donc, elle lui a dit, voilà, accomplis ta promesse, on se marie. Et moi, j'accomplis la mienne, jamais je te dirai un mot sur quoi que ce soit. Elle était folle amoureuse de lui. Lui aussi, il l'aimait quand même, puisqu'il s'est marié avec elle. Combien? Alors, maintenant, il se marie. Et elle, les manches jusque-là, le foulard, tout le matin, les Tehillim, elle partait jamais sans avoir fait les Tehillim, sa prière et la cacheroute. Hein, la différence entre les deux. La cacheroute, 100%, le Shabbat, 100%. Tout, elle faisait tout mieux que n'importe qui.
Et en plus d'une gentillesse travailleuse, courageuse, Faut l'option, quoi. Exactement. Et voilà que le temps passe. Écoutez bien, un matin, c'est pas ce qui lui prend par la tête à cette femme. Et elle dit à son mari, allez, pourquoi tu ne mets pas les tefilines aujourd'hui ? Fais-moi plaisir. Ah ouais, mais tu sais que c'est le monde à l'envers. La guerre mondiale, c'est presque. Il la regarde. Il dit, tu te rappelles ce qu'on avait là ? Tu te rappelles là, le deal qu'on a fait ensemble ? Elle dit oui, mais bon, elle était gênée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les tefilines, il les jette par la fenêtre. Il les jette par la fenêtre. Elle se met bien sûr à pleurer. Elle repart au salon. Et lui, ça l'a travaillé bien sûr. Mais la journée est passée. Et voilà que il rentre à la maison. Elle lui fait pas un reproche, rien. Elle lui dresse une table magnifique et tout. Il parle pas de ça. Il s'endort. Prends une chaise, Efraïd. Et il rêve. Il se voit sur son balcon. Et le balcon est en train de bouger. Et il sent qu'il va. Il est qui sur le balcon ? Lui, il était sur le balcon. Oui. Et il voit que le balcon, il bouge. Okay. Et il se réveille. Et il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il rêvait. Il a rêvé. C'est un cauchemar. Il a cauchemardé. Alors, on continue l'histoire aujourd'hui ? Oui, mais vas-y. Sinon, j'arrête. On la continue la semaine prochaine. Tu nous fais attendre alors. Eh oui, moi, je vais savoir la fin. Ouais, hein. Alors, vas-y. Tu me connais la fin, toi ? Bien sûr. Ne réponds plus avec une question, tu continues. Allez. Alors, regarde. Et lui, donc, il s'habille pour aller à son travail, à son salon. Et puis, il se sent bizarre. Il se dit, oh, c'est peut-être le rêve, ça m'a travaillé, je ne sais pas. Il arrive au salon, il s'allonge. Amorphe. Coma. Ça, on appelle le SAMU, machin, etc. Il est pris en charge par le SAMU, il est amené à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent un très gros problème. Ils ne savent pas exactement ce qu'il a, mais ils disent qu'il est dans un coma profond et on ne sait pas comment il va s'en sortir, ce type-là. La femme, elle est dans tous ses états et elle comprend que là-haut, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah bah, jeter des tefilines comme ça, etc. C'est sûr que ça paye. Et alors, bon, le temps a passé. Ils ont réussi, il s'est réveillé. Il était complètement paralysé. Il est resté paralysé pendant un an. Et pourtant, puis... Il n'a pas fait tuer tout quoi. Comment ? Il n'a pas fait tuer, il est juste... Ne te pose pas toutes les questions. Après les questions, après, elle va se finir. Ça m'intrigue. Et bien, ça termine, tu vas comprendre. Voilà, ça termine. Et voilà que, petit à petit, il reprend donc ses fonctions motrices. Il recommence un petit peu à bouger, un peu les mains, mais... pas marcher, rien. Et sa femme, sa déquête, tous les jours, elle est avec lui, et elle lui parle, elle le caresse. Vraiment extraordinaire. Et quelque part, elle a un grand mérite. Mais énorme. Attends. Ça. Écoutez bien. Et voilà que, un matin, écoutez ça, un matin, donc, il lui dit, écoute, je vous la fais un peu à la romantique. Hein. Ouais, ouais. Écoute, chérie, amène-moi les tefilines demain. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre les tefilines. Toi, tu vas me les mettre parce qu'il ne pouvait pas encore bouger. Toi, tu vas mettre les tefilines. Elle était contente, elle a dit, ça, c'est un miracle. Le lendemain matin, donc elle vient avec ses tefilines, elle lui met les tefilines, elle l'aide à mettre les tefilines. À partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Il a ressenti des forces. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. À tel point qu'un matin, au bout de quelques jours, il se lève. Et l'infirmière rentre dans la chambre. Elle le voit debout. Elle dit, mais vous êtes fou, vous allez tomber. Vous allez vous casser quelque chose. Il dit, non, écoutez, madame, laissez-moi tranquille.
je sens que je vais beaucoup mieux. Et comme ça, petit à petit, donc il allait de mieux en mieux. Et une nuit, il est encore à l'hôpital. Voilà qu'il rêve qu'il est sur le balcon et que le balcon, il est solide, il ne bouge plus. Quand il se réveille, il comprend. Il dit, Hachem, il m'a pardonné. Il a fait une teshuva avec sa femme. Ils ont vendu le salon et ils sont partis en Eretz, ils ont fait la ralia. Et là-bas, il a monté sa petite synagogue en remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc, de là, on comprend quelque chose. Elle est belle histoire. Que cette histoire lui-même raconte. Lui-même, il dit, cette histoire, elle est arrivée peu de temps après que j'ai fait cette tzedaka, cet homme-là qui m'a déchiré le cœur. Matzmiach, Zoréa Tzedakot, j'ai planté cette tzedaka. Et dans le ciel, on l'a fait fructifier. Dans le ciel, on a fait en sorte de me faire teshuva grâce à cette tzedaka. Donc, pour revenir à notre Vartoura... Ça veut dire que s'il n'avait pas fait la tzedaka, il n'aurait pas jeté les tefilines. Non, il n'aurait jamais fait teshuva. Il n'aurait jamais eu une femme qui se serait intéressée à lui, qui se serait convertie et qui l'aurait ramené à la teshuva. Non. Il aurait vécu sa vie de patachon jusqu'à 120 ans. Il se serait marié. Il a eu des enfants. Baruch Hashem, il était heureux. Il était heureux. Il a vécu une vie de. Il a fait une vraie teshuva. C'est ça qu'on dit que quand on plante la tzedaka, après 120 ans, même déjà dans ce monde-là, il prend cette tzedaka. C'est pas simplement la tzedaka de l'argent, hein. On est en train de parler que maintenant, tu vois quelqu'un dans la rue, d'accord ? Tu le souris, tu lui souris. On ne parle pas de choses extraordinaires. Tu lui fais un sourire. Tu as été maintenant Zoréa Tzedaka. Tu es en train maintenant, tu as ensemencé quelque chose dans son cœur à celui-là. Tu lui as ensemencé quelque chose dans son cœur. Tu ne sais pas quelle était la noirceur de son cœur avant qu'il te voie. Et toi, le fait que tu lui aies souri maintenant, tu lui as ouvert la fenêtre. Tu l'as fait respirer. Et ça c'est justement ça, la pureté. Alors regardez comment il dit Rabbi Nathan. Marqué, El Michutz la Machane. On a le temps de le faire ou encore 5 minutes ? Alors, 5 minutes. Hein, ouais. Donc, Para Aduma Temima dans le texte. Alors vous allez voir la finesse et l'intelligence et surtout la possibilité qu'il nous donne de comprendre ce concept pour nous aider et comprendre un peu mieux tous les enjeux de la vie. Ça, c'est ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous allez voir ce qu'il dit. Para Aduma Temima. Donc, il ramène le Dibur HaMatril, donc cette vache rouge, rousse, qui devait être entièrement parfaite. Donc, il ramène un endroit où il dit pour quelle raison cette histoire de la Para Aduma Elle est juste à côté de l'histoire de Korar, puisqu'on voit que la parasha de la semaine dernière, la semaine d'avant, c'était Korar, et celle de la semaine dernière, c'était Hukat. Donc on voit que les deux sont juste à poser. Alors pour quelle raison ? Shamar Korar Lodai Shotioti Mikla Lakiuna. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korar ? Il dit ça n'a pas suffi à Moshe de me sortir de la Keuna. Lui qui devait être Cohen, ou Matanot, et de ne pas avoir les dons qui sont normalement dus au Cohen. Et là, chez Gilar Roshi, mais il m'a complètement rasé la tête, les sourcils, la barbe. Ve'asaoti Sachal. Et il a fait de moi une quelque chose d'abject. Bouddhiste, déchéance. Ouais, bouddhiste, exactement. Un bouddhiste. Ou un moine. Miyad, immédiatement. Écoutez bien, Nitkané le Moshe, l'arrière arrive immédiatement. Il a commencé à jalouser Moshe et monter en lui le désir de la dispute. Vehu lo yada, mais il ne savait pas. Rok para aduma, il ne connaissait pas le secret, la force de cette loi de para aduma. Tiye kapara gdola à l'Israël, qui est une grande kapara. Comment on dit kapara? Kapara, c'est une expiation pour le Ham Israël. Vehu lo yada chok para aduma. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas. Il n'a pas appris quelle était la mission, le rôle de cette para aduma.
Tiye kaparagdola l'Israël kamuva be yalkut ariuvani. Comme c'est bien indiqué dans un livre qui ramène, s'appelle Yalkut ariuvani. Ahincha, il dit, regarde là-bas. Ki para aduma maasea bachutz. Comme je vous l'ai dit, la para aduma, elle se faisait à l'extérieur du camp. Vialkenehi metaaret mitumat met. Et c'est la raison pour laquelle elle avait la force d'être une expiation pour une purification pour l'impureté de la mort. Qui amet metame betumaha ramura meod. Car la mort, c'est la plus grande des tumot. Mechama chenaasa. Pourquoi? Écoutez bien. La mort, qu'est-ce qu'elle fait? Chenaasa perud ben apnimiyut veachitsoniyut. Elle fait une coupure entre la profondeur et l'extériorité. Chez Zeikar Amita, c'est ça la mort. C'est ça l'essentiel de la mort. Vehaz Nehazin Achitsonim, elle permet que l'extériorité ait une emprise, une grande emprise, et cette extériorité-là, c'est ça ce qu'on appelle le côté de la mort, le côté du mal, pardon. Citra, c'est le côté. Issaava, c'est du mal. Donc maintenant, qu'est-ce qui empêche l'homme de progresser réellement? Alors je ne vous parle pas de progresser dans la religion. Dans la vie au quotidien. Mais... de progresser même son caractère. Dans ce qu'il est. En réalité, on a tous des potentiels. L'histoire, on a vu la semaine dernière, Shabbat dernier, on a vu que l'histoire du rocher, que Moshe frappe alors qu'il ne possède pas d'eau du tout, alors qu'il y en avait un qui possède de l'eau, lui, il ne l'a pas touché. Ça, c'est un symbole pour nous expliquer que l'homme a des capacités d'inventer, de créer en lui de nouvelles potentialités qu'il n'avait pas. Alors qu'aucune autre créature n'a cette possibilité-là, cette force-là, cette puissance. Maintenant, plus que l'homme, il a tellement de puissance, on voit ce qu'il est capable de faire à tous les niveaux, aussi bien dans le bien que dans le pas bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui l'empêche d'y accéder? Qu'est-ce qui empêche l'homme de parvenir à une véritable évolution? C'est le manque de profondeur. C'est-à-dire le fait qu'il ne sache pas faire le lien entre l'extériorité et l'intériorité des choses. Alors, ça le bloque dans tout ce qui est extérieur. Il ne voit que ce qui est superficiel. Il ne comprend que ce qui l'entoure. Il ne comprend pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce qui l'entoure. Il ne voit que le vêtement. Ça, le problème de la société. C'est la raison pour laquelle il est tellement compliqué, difficile d'avoir une vraie notion de ce que c'est que la Kedusha. L'impureté et la pureté sont des notions qui sont en réalité... Elles se touchent, elles sont similaires. Pourquoi? Parce que mon âme qui habite mon corps, elle forme une entité. Si tu déconnectes la profondeur de l'être avec l'extériorité de l'être, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Donc le rôle de l'homme dans ce monde, c'est d'aller chercher la profondeur des choses, aller dans la profondeur, aussi bien d'un texte que dans une action, dans un acte, aller profondément dans un acte, et ne pas se suffire de la superficialité. Je vous donne des exemples très, très concrets. Vous demandez, par exemple, à un employé un certain travail. Vous allez voir que la majorité des jeunes, notamment, parce que les jeunes, ils sont confrontés à ce problème gravissime de manque de profondeur. Et c'est ce qui les amène à se conduire comme n'importe quoi. D'accord? De perdre complètement leur repère. Vous allez voir, vous leur demandez une tâche. Tiens, fais-moi ce travail. D'accord? Il va le faire comme un... pour s'en débarrasser.
à aucun moment il va réfléchir, est-ce que je peux faire mieux que ce qu'il m'a demandé ? Ça, c'est la profondeur. À aucun moment. Mais l'employeur, lui, le patron, HM, ce qu'il veut, c'est que tu aies cette réaction. Comment je peux mieux faire que ce qu'il m'a demandé ? C'est ça, agrandir son potentiel. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Sauf qu'il y a des forces notamment de Touma et de Tahara, des forces de pureté et d'impureté, qui ne nous laissent pas agir selon ce que, la possibilité qu'on a d'agir. Elles nous empêchent, d'accord ? Donc, quel va être notre rôle ? Quelle va être notre recherche ? Quel va être l'outil pour parvenir à connecter les deux ? Et ça, c'est la vie. La preuve, c'est que dès que l'âme s'en va, le corps, il n'est plus rien. Mais si le corps n'est plus rien, l'âme non plus, elle n'est plus rien. L'âme aussi, elle s'en va. Ça veut dire qu'elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Le plaisir que le corps a dans une chose, l'âme en profite aussi. Et le plaisir que l'âme a dans la spiritualité, le corps aussi en profite. Donc on voit bien que qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort, c'est la déconnexion entre le visible, l'invisible, la matière et la non-matière, l'esprit et la matière. C'est ça la mort. Donc, à partir de ce concept-là, la Torah, elle nous a expliqué, tu sais, tu as la vache rousse qui vient pour te reconnecter avec ce que tu es réellement. D'accord ? C'est ça le principe de la vache. Mais la vache rousse, pas en elle-même. Le symbole même de la vache rousse. Le concept même de la vache rousse. Parce que la vache rousse, qu'est-ce qu'elle vient t'expliquer ? Tu sais, si tu crois que ce qui est passé, c'est terminé, toi-même, tu n'as aucun avenir. Parce que l'avenir, il se construit aussi à travers le passé. Les racines elles-mêmes, c'est le passé. Et si maintenant tu veux grandir et que tu n'as pas de passé, tu n'as rien. Sur quoi on va terminer sur ça ? Absolument. Sur quoi maintenant le Ham Israël il vit aujourd'hui ? Sur quel mérite ? Sur le mérite des Avot. Avraham, Tzrak, Yaakov et tous les tzadikim qui ont vécu avant nous. C'est sur eux que nous vivons.